Père, toute malédiction venant des esprits humains, des esprits malins, est annulée par le sang de Jésus-Christ dans ma vie. Dans la grâce de Dieu, je veux continuer avec toi. Père, pour l'année 2023, c'est ici l'année que l'Éternel a faite. Ce n'est pas moi qui ai créé l'année 2023. Alors que tu dis, l'année que l'Éternel a faite, qu'elle soit pour moi et ma famille, un sujet d'allégresse et de joie. Je prends autorité sur cette année 2023 au nom de Jésus-Christ. Père, je renverse toute énergie négative qui planifie d'opérer comme contre ma vie cette année. J'anéantis tout pouvoir qui profère des incantations pour capturer cette année contre moi. Seigneur, je rends de telles incantations et prières et sataniques contre moi nulles et sans effet. J'arrache cette année de leurs mains au nom de Jésus. Cette année 2023 ne sera pas contrôlée par les esprits malins. Seigneur, que l'esprit de faveur, de conseil, de force et de puissance descendent sur moi tout le long de l'année 2023 et accompagnent chaque jour de ma vie. Cette année, Seigneur, je vais exceller et rien ne me souillera. Je posterai les portes de tous mes ennemis au nom de Jésus. Seigneur, tu vois mon moins d'huile d'allégresse. Ce matin même, avant que je ne quitte ici, tu me moins d'huile d'allégresse au-dessus de mes contemporains. Le feu de l'ennemi ne me brûlera pas. Mes oreilles entendront de bonnes nouvelles et seront fermées à la voix de l'ennemi. Père, mon avenir est assuré en Christ au nom de Jésus. Père, Dieu m'a créé pour des buts bien, bien définis. Il m'a assigné des missions qu'il a confiées, donc il m'a confié et il a confié à d'autres personnes. Sans moi, ces missions divines ne peuvent pas s'accomplir. C'est pourquoi je me tiens ici ce matin. Saint-Esprit, donne-moi d'accomplir ces missions-là qui sont personnelles. C'est moi qui dois les accomplir sur cette terre-là. Alors, c'est pourquoi, Père, je prie ce matin que durant toute l'année, toutes les missions que tu as préparées, avec toutes les ressources dont j'aurai besoin, ouvre mes yeux pour que je les voie, que je les accomplisse au nom de Christ Jésus. Merci, Père, dans ta grâce, dans ton amour. Amen. Cette année, Père, 2023, tu feras de moi un gagneur sans effort et un candidat au témoignage exceptionnel. Tu vas me donner de gagner des âmes et devant les situations, devant n'importe quelle circonstance, je ne verserai pas de sueur, car la grâce de Dieu est exaltante. Elle m'accompagne, elle me dirige, elle me conduit. Père, cette année 2023, cette année-là, ma vie publique va se manifester à la gloire de Dieu. Cette année, j'annule tous les rendez-vous avec le chagrin, la tragédie et les cris maléfiques au nom de Jésus. Cette année 2023, Seigneur,
Les démons et les voleurs sataniques s'enfuiront loin de ma présence. Cette année 2023, Seigneur, que dans ta grâce, dans ton amour, que je sois en voyage, je sois en sommeil, dans n'importe quel endroit où je serai, aucune force maléfique, satanique de ce monde-là ne pourra me toucher. Elles fléchiront leurs genoux devant moi au nom de Christ Jésus. Cette année, Seigneur, j'ai pris au sérieux ta parole. C'est pourquoi je ferai la volonté de Dieu et je te servirai de tout mon cœur et je verrai le fruit de cette obéissance. Père, dans ta grâce, cette année-là, partout où j'irai, j'aurai une victoire incontestable au nom de Christ Jésus. Cette année, comme l'argile dans les mains du potier, tu vas façonner ma vie à ta seule gloire. Je crois cela, Père. Cette année 2023, toi-même, Seigneur, tu fais de moi la tête et non la queue. Cette année 2023, ta parole s'accomplit pour moi. Tout filet de l'oiseleur contre ma famille, contre mes enfants, contre mon mari ou ma femme, tout filet de l'oiseleur assigné par Satan contre moi sera détruit par le feu du Saint-Esprit. Seigneur, cette année-là, au nom de Christ Jésus, l'ennemi de mes succès est écarté de mon chemin. À partir d'aujourd'hui jusqu'au 31 décembre 2023, l'onction de succès m'accompagnera. L'onction de victoire m'accompagnera. L'onction de prospérité m'accompagnera. L'onction de puissance m'accompagnera. Cette année, Seigneur, je ne serai pas un candidat qui échoue à des circonstances. Je vais commencer un départ nouveau. Et les gens verront qui je suis. Cette année, Seigneur, tous les obstacles sur mon chemin de progrès seront anéantis au nom de Jésus. Seigneur, cette année-là, ceux qui se sont moqués de moi dans les années passées, cette année, ils vont me célébrer au nom de Jésus. Ils vont m'applaudir au nom de Jésus. Ils vont voir que je suis élevé au nom de Christ Jésus. Seigneur, cette année, tout pouvoir assigné à écourter ma vie, à me donner une mort prématurée, ce pouvoir-là est enseveli dans le sang de Christ Jésus. Cette année, Seigneur, mes prières vont provoquer toujours une présence angélique. Ce sera l'année où les anges seront nombreux autour de moi. Je les verrai de mes yeux. Cette année est une année surnaturelle pour ma relation avec les saints anges de Dieu. Ils vont me visiter, non seulement dans mes sommeils, mais aussi quand même j'ai les yeux ouverts. Cette année, Seigneur, quand je parlerai, mes paroles vont faire bouger toutes mes montagnes. Et les montagnes de mes enfants, les montagnes de ma famille. Seigneur, cette année 2023, tout pouvoir assis sur mes richesses tombe et se détruit au nom de Christ Jésus. Tout ce que Dieu m'a donné comme richesse, vous apparaissez maintenant au nom de Christ Jésus. Satan, démon, vous ôtez vos mains sur mes richesses au nom de Christ Jésus. Et ma prospérité va aller de l'avant. Je pourrai pourvoir à tous mes besoins selon la richesse de mon Père. Cette année, Père, dans ta grâce, dans ton amour, je prends autorité sur tout homme fort de mes finances. Homme fort, toi qui as pris mes finances, tu dégages maintenant l'esprit de dette. Tu pars. L'esprit de faillite. Tu libères ma vie.
ma famille, mon pays, au nom de Christ Jésus. Merci Père, parce que tu es un bon Père. Je crois tout cela Père, cette année, tout pouvoir maléfique qui va contester et ma voix cette année, ce pouvoir maléfique là-bas s'éteint une fois pour toutes au nom de Christ Jésus. Oh papa, oh baba, quand là où les autres auront échoué cette année-là, c'est là-bas où moi je vais réussir. Là où les gens vont tomber là, c'est là-bas que tu me tiens debout. Là où les gens vont, Seigneur, faire des efforts, c'est en ce moment que ta grâce va abonder dans ma vie. Ta grâce surabondera. Ta victoire surabondera. Car je ne suis pas seul. Merci Père pour ta grâce et ton amour. Cette année, je rejette la vue de suivre donc les voies d'endettement. Seigneur, j'en ai assez de traîner dans les dettes. Ce n'est pas une gloire pour toi de voir tes enfants comme moi être dans des dettes. Dans la faillite financière. Père, cela ne te donne pas la gloire. Alors glorifie-toi cette année en donnant à ton fils, ta fille, de marcher dans l'abondance. Que mes adversaires voient cela. Qu'ils soient étonnés de voir ce que tu as fait dans ma vie. Je te remercie ce matin au nom de Christ Jésus. Alléluia. Alléluia. Vous qui m'avez méprisé dans le passé, regardez-moi. Je vais passer devant vous avec la faveur divine. Vous qui m'avez rendu esclave, comme Joseph, maison de Potiphar, prison, Égypte, je suis en train d'arriver. Votre roi arrive, votre reine arrive. Je marcherai dans la victoire sur les serpents et les scorpions. Aucun serpent satanique ne peut prévaloir contre moi. Je marche dans la victoire. Toute maladie chronique, toute maladie dite incurable est détruite et enterrée ce matin même. Je quitte ce lieu totalement délivré de toute maladie dite incurable. Dans le nom de Christ Jésus, toute situation dite impossible, ce matin, je sors de cette situation par la grâce de Dieu et le Seigneur m'accompagne. Il me dirige, il me conduit dans le nom de Christ Jésus. Toute eau qui a été programmée par Satan pour me noyer, comme en Égypte, cette eau là-bas noyait tous les esprits méchants au nom de Christ Jésus. Tout Jourdain qui s'arrête devant moi pour m'empêcher d'entrer dans ma terre promise sera asséché au nom de Christ Jésus. Excellent Père de grâce, c'est une année de grâce, une année de surabondance, une année où ma foi sera boostée, une année où la bénédiction divine va couler pour que je sois un conquérant et vainqueur. Merci Père pour cette grâce là. Je crois de tout mon cœur dans le nom de Christ Jésus. Toute main ténébreuse sur la fondation de ma vie, de ma famille, qui a fait que chaque fois je tourne en rond, le feu de Dieu tombe sur cette main et détruit cette main maintenant. Lâche ma vie au nom de Christ Jésus. À partir de cette année-là, tout part de progrès en progrès. Merci Père. Sois béni, sois loué dans le nom de Christ Jésus. Tout programme de Satan regardant mon avenir pour mettre des pièges, ces programmes sont détruits par le Saint-Esprit. Au nom de Christ Jésus, Père,
Que tous ceux qui riaient contre moi, que leurs dents soient cachées maintenant. C'est le temps pour moi de rire aux éclats, devant mes adversaires, devant mes problèmes, devant mes situations professionnelles. Toute injustice qui a bloqué ma carrière, ma promotion, mes concours, mes examens, cette année, je passe haut les mains. Partout où je veux me présenter, c'est le succès, c'est la victoire, c'est l'élévation, c'est la promotion, pour que le nom du Seigneur soit béni. Merci Père, parce que tu es un bon Père, ma destinée est libérée maintenant, et je remercie le Seigneur, je bénis le Seigneur. Seigneur, je me suis aperçu compte de quelque chose. C'est que tu es mon banquier. Je ne manquerai de rien. En tant que mon banquier, je ne vivrai pas dans les dettes, ni dans les manques. Tu me fais reposer dans des verts pâturages de ta grâce, de ton amour. Et toute chose qui a été gâchée dans ma vie, tu restaures cela au nom de Jésus. Toute vallée de la mort dans laquelle je suis, dans ma vie, dans mes affaires, dans ma famille, cette vallée-là, elle est remplie de la présence de Dieu qui m'accompagne. Je n'ai pas peur. Satan, celui qui est avec moi, il est plus grand que toi. Il a posé sa main sur moi. Son esprit est en moi. Je suis plus que vainqueur. La peur est finie. Je marche dans la victoire. Car c'est moi maintenant qui ai le pouvoir. Le pouvoir a changé de main. Dieu m'a fait placer avec son fils dans les lieux célestes où je suis assis aussi à sa droite, au-dessus de ta domination, de ta puissance. Je marche dans la victoire. Père, chaque fois que je vais élever ma voix au nom de ton fils Jésus, cette année est une année spécifique. Père, je n'ai pas besoin de faire de longues prières que déjà tu m'as écouté et exaucé. Je vais expérimenter le surnaturel dans mes prières. Je vais expérimenter le surnaturel dans chaque aspect de ma vie. Je le crois de tout mon cœur. Tu es un bon Père. Tu es fidèle. Tu veilles sur moi. Tu veilles sur ma famille. Tu veilles sur l'Église. Merci Père pour cette grâce là, parce qu'en toi j'ai tout pleinement. Merci Père pour ta bonté, ton amour. Quand Joseph entrait chez Potiphar, Potiphar est devenu prospère. Partout où je serai, les gens verront à travers moi que je suis un homme béni, une femme bénie. Ils seront étonnés que de ma seule présence qui va amener leur entreprise, leur maison, ou leur quel que soit où je serai, la prospérité va accompagner. Père, je te remercie dans le nom de Jésus-Christ. Seigneur, je repose, je traverse maintenant cette nuit-là et je laisse derrière moi totalement tout ce que Satan m'a donné pendant toute cette année. Et tout ce qui n'a pas pu être réalisé en 2022 est réalisé en 2023. Tout se réalisera. Je ne me presse pas. Je sais une chose, que la parole de Dieu est véritable. Et les nouveaux projets
viendront s'ajouter au projet de 2022. Je ne m'inquiète plus, car je sais une chose, que le Seigneur lui-même est avec moi. Il m'accompagne, il me guide, il me garde, et je trouve en lui mon plaisir. Seigneur, tu me donnes la force du buffle, car je me confie en toi. Et ceux qui se confient en toi, tu les renouvelles. Tu me renouvelles dans mon corps, dans mon esprit, dans mon âme. Tu me restaures. Seigneur, je sais une chose, que tous mes ennemis qui s'élèveront contre moi, ils vont croire que c'est la même personne. Mais en 2023, ils viendront trouver une personne changée, transformée. Ils viendront trouver un vaillant héros. Ils viendront trouver un champion. Ils viendront trouver un conquérant vainqueur. C'est moi qui les poursuivrai. C'est terminé. Esprit de maléfique, esprit de peur, angoisse, c'en est assez. Je me tourne vers vous. C'est moi qui vous poursuis maintenant. Le poursuivi devient le poursuiveur. Au nom de Christ Jésus, vous ne pouvez plus me poursuivre. Votre poursuite est terminée. Dieu a mis fin à cela par le sang de Christ Jésus. Merci Père. Je ne veux pas me fatiguer, car tu me couronnes. Tu me couronnes. Tu me couronnes de ta grâce, de ta bonté. Partout où je vais, partout où je vais, je suis la lumière. J'éclaire ma génération. J'éclaire ma maison. J'éclaire mon quartier. J'éclaire mon pays. J'éclaire, parce que la victoire est avec moi. Merci Père. Sois béni et sois loué dans le nom de Christ Jésus. Dans le nom de Christ Jésus. Père, dans ma famille, tout est restauré. Tout ce que Satan est venu pour détruire, ma relation avec mon mari, ma relation avec ma femme, avec mes enfants, les enfants avec leur père, les enfants avec leur mère. Cette année 2023, c'est un nouveau départ, un départ de joie, de paix et d'amour. Nous allons rire. Il rira qui rira le dernier. Nous allons rire parce que Seigneur, ce que tu restaures donne la joie. Tu es un restaurateur de vie. Tu restaures nos vies, notre foyer, notre couple. Au nom de Christ Jésus. Au nom de Christ Jésus. Père, merci. Merci pour ta grâce. Ce travail que tu m'as donné est restauré. L'entreprise est restaurée. Là où je travaille, tout est restauré. Désormais, je deviens un conseiller, une conseillère spéciale dans mon lieu de travail. Parce que la sagesse qui m'est donnée va éclairer tous ceux qui sont avec moi. Mes patrons viendront vers moi. Ils vont prendre des conseils. Je veux conseiller les gens. Désormais, à partir de demain déjà, je viendrai. Après demain, quand j'irai au travail, à l'université, au lycée, dans l'entreprise, partout où j'irai, je pars comme une lumière exceptionnelle. Et les gens vont recevoir grâce sur grâce. Merci Père, c'est une grâce que tu m'as faite. Merci pour l'esprit de vie qui a ressuscité Christ d'entre les morts. Cet esprit de vie est en moi. Il donne la vie à mon corps mortel. Il me restaure. Il me sanctifie. Il me guérit. Il me donne la force. Merci pour cet esprit de vie. Merci Père pour tout ce que tu as prévu. Dans ta grâce, dans ton amour, je te remercie ce matin-là. Je te bénis, je te loue, je te glorifie, je t'exalte. Merci pour ton amour et ta bonté. Que cette année-là, c'est une année heureuse, une année de paix pour mon pays tout entier. Cette année, Burkina Faso, lève-toi, marche,
entre dans ta destinée. Une destinée bénie, heureuse, remplie de paix, d'amour, de réconciliation, de cohésion sociale, où il fait bon vivre tous les Burkinabés, sans distinction de race, distinction d'ethnie, ni de religion, ni de rien, vont marcher main dans la main. La réconciliation sera possible par le sang précieux de Christ, non pas par notre puissance, notre force, mais par le sang de Jésus. Ce sang-là est répandu sur tout le Burkina, à l'est, à l'ouest, au nord et au sud, au centre, sur les villes et les villages, sur chaque habitant du Burkina Faso. Partout se trouve un Burkinabé. Le sang de Christ est répandu, nous amenant dans la victoire, dans la paix, dans la joie. Merci maintenant pour ta grâce et ton amour. Merci pour ta fidélité. Sois béni, Père. Tout tes bienfaits. Que ta grâce soit sur chacun. Quiconque est en relation avec nous maintenant, recevez la grâce de Dieu. Que la grâce de Dieu soit répandue sur vous. Que le Saint-Esprit, l'Esprit de grâce, souffle ce matin 1er janvier 2023 sur vous. Recevez cette grâce maintenant. Que la paix divine enveloppe vos maisons. Que la joie divine rentre dans vos familles. Que la santé divine soit votre partage. Partout maintenant, la grâce de Dieu est sur vous. Merci Père pour toutes les nations, pour les familles. Merci pour ce que tu as fait. Que toute ta grâce soit sur le peuple de Dieu, les églises, le peuple de Dieu. Bénis-les, garde-les. Que tous ceux qui sont égarés reviennent à la vérité. Ouvre les yeux des égarés. Tout Burkinabé qui a été égaré, qui s'en prend à des contemporains burkinabés, que leurs yeux s'ouvrent, qu'ils voient l'amour de leur pays, qu'ils reviennent en arrière et qu'il y ait une réconciliation totale. Merci Père pour notre armée, pour les militaires, ces jeunes gens qui sont engagés, ces gendarmes, ces policiers, ces VDP, Père, nous les plaçons devant toi. Que l'année 2023 soit une année de paix, de victoire. Mais surtout, Seigneur, que ces hommes et ces femmes-là marchent dans la sérénité. Garde-les de tout mal. Ils combattent non pas pour mourir, ils combattent pour vaincre, vivre et venir dans leur famille. Que ces paroles-là soient accomplies pour eux, partout où ils seront. Que les mamans qui ont leur mari au travail, au front, les enfants qui attendent leur papa au front, puissent les voir en 2023, revenir sains et saufs à la maison. Partout, Seigneur, que les familles burkinabè soient remplies de paix et de joie. Parce qu'ils sont partis, ils ont combattu, ils ont vaincu et ils sont revenus. Merci Père, c'est la parole que nous proclamons sur tout sans exception. Que tu éclaires les autorités, que tu donnes la sagesse à ces autorités. Ils sont jeunes, mais donne-leur la sagesse afin qu'ils puissent nous amener dans une paix. Guide-les, garde-les. Guide les politiciens. Guide les syndicats. Garde les sociétés civiles. Les jeunes. Tout le monde. Bénis le pays. Bénis tout le monde. Tous les Burkinabés. Que la grâce de Dieu soit sur eux. Que la grâce de paix soit sur eux. Que 2023 soit une année de paix pour chaque Burkinabé, les grands et les petits, les hommes et les femmes, les anciens comme les jeunes, et que la paix soit dans les foyers, la paix soit dans les maisons, et que chacun puisse se réjouir. Merci Père pour cette année de grâce-là, de surabondance, au nom de Christ Jésus. Père, nous te disons merci, que toute la gloire soit à toi, au nom de Christ Jésus. Bonne et heureuse année 2023. La grâce de Dieu soit sur vous. Que la paix de Dieu soit sur vous. Que l'amour de Dieu soit sur vous. Que Dieu vous conduise, chacun d'entre nous. Que nous entrions vraiment dans la volonté parfaite de Dieu. Au nom de Christ Jésus. Amen. 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 Et amen. Qu'il en soit ainsi.